Pendant qu'on est en train d'arranger mon micro, comme ça fait longtemps que je n'ai pas pu prêcher avec ça, on vous a signalé qu'il y a les enfants à consacrer et les offrandes d'anniversaire. Si on peut les apporter ou amener les enfants rapidement. Précieux et bienveillant Jésus-Christ, nous te disons merci et t'apprécions pour cette vie, ce bébé qui repose dans nos bras ce matin, dînant d'allégresse. Nous croyons, Père éternel, qu'aucune vie n'est venue dans ce monde sans autorisation du grand roi. Et c'est toi qui envoies ces enfants comme des bénédictions et des fleurs pour embellir l'hôtel familial. J'ai notre Père et notre Roi. Ses parents se sont sentis incapables de pouvoir garder et protéger cet enfant, Seigneur. Ils sont venus auprès de toi, montrant leur reconnaissance envers toi et leur confiance en toi, sachant que toi, tu as la puissance pour garder cette vie divin sauveur, divin roi. Par cette occasion, maître des temps des circonstances, je viens pour consacrer cet enfant à tes saintes mains, Père, afin que le sang de Jésus-Christ soit un pare-choc et une couverture dans laquelle, Seigneur, cette dernière peut être cachée, ô Dieu. Précieux sauveur, précieux roi, tu as dit dans ta parole que tout ce que vous bénirez sera béni. En ce matin, j'ai béni cet enfant, je le consacre auprès de toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Et j'ai béni les années qui sont devant lui, Seigneur. Que la lumière de l'Évangile, Dieu notre Père, puisse briller autour d'elle. Puissant sauveur, puissant roi, c'est dans ton Saint-Nom que nous t'avons ainsi demandé et nous disons Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Allégresse soit la bienvenue. Vous pouvez le porter, approcher une année. Précieux sauveur, nous te disons merci et t'apprécions pour cet enfant qui a totalisé une année, Seigneur. Nous croyons que tu es le seul qui peut garder et protéger nos vies. C'est pour cette raison, Père, que cet enfant a totalisé cet année, Seigneur. Par cette occasion, ô Dieu, je lui souhaite un joyeux anniversaire au nom du Seigneur Jésus et je bénis les années qui sont devant lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni. Shalom.
Précieux et bienveillant Jésus, tu es le Dieu de l'éternité, tu es le précieux berger, cet enfant a totalisé 6 ans sa vie. Nous bénissons ton Saint-Nom pour son anniversaire et nous avons le main posé sur lui. Nous souvenons dans la parole qu'il a été dit, laissez le tout petit venir, venir à moi, car le royaume des cieux est pour s'il descendre. Précieux Sauveur, je bénis cet enfant Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Et je le souhaite un joyeux anniversaire au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci mon ami. Merci mon frère. Ça va? Une année? Précieux Sauveur, nous avons ce bébé qui a totalisé encore une fois une année. C'est toi qui gardes et qui protèges nos âmes, Seigneur. Nous vivons dans les entourages pollués ou corrompus par des esprits et des puissances maléfiques. Et toi, tu gardes et tu protèges les nôtres. Voilà pourquoi, tendre glorieux Père, je bénis ton Saint-Nom pour son anniversaire, alors que je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et je bénis les amenés qui sont devant elle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu bénisse. Tout puissant Créateur de la jeunesse, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Tu as gardé ce jeune homme qui a totalisé 19 ans de ce côté-ci de l'éternité. Que ton nom soit béni à jamais, Père. Par ton esprit qui habite en nous, Seigneur, je le bénis et je le souhaite un joyeux anniversaire au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ça va. Que Dieu bénisse. Puissant Sauveur, Dieu de miséricorde, il t'a plu de garder notre frère alors qu'il vient de totaliser 33 ans de ce côté-ci de l'éternité. Par cette occasion, je bénis réellement sa vie, je bénis les années qui sont devant lui, Père, tout en lui souhaitant, Seigneur, un merveilleux et joyeux anniversaire au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Monsieur Sauveur, nous te disons merci ta pression. Alors que tu as gardé notre frère qui vient de totaliser 26 ans, c'est ta main puissante qui nous garde, qui nous protège. Je le bénis en ton Saint-Nom, comme tu as conclu une alliance avec nous, Seigneur. Et je le souhaite un joyeux anniversaire. Au nom du Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, je prie que ta main puissante et louable l'accompagne en toutes choses. Nous t'avons ainsi demandé dans les glorieux noms de celui pour qui nous sommes rassemblés. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Si pendant que vous êtes encore assis, je vais dire quelque chose ici. J'ai senti quelque chose me dire que je devrais vous dire ça. C'est en rapport avec le ministère que Dieu nous a confié. Quand j'étais un petit enfant, je voyais les gens aller à l'église se consacrer, les pasteurs priaient. Il y a un moment là, j'avais presque 19 ans ou 18 ans que j'ai redouté d'être pasteur. Non, je craignais. Je disais, le travail de pastorat est un travail très compliqué. Quand je voyais les gens se consacrer, aller dans l'église, dormir à l'église, j'ai dit, mais ça, c'était un travail compliqué. S'il y a quelque chose que j'ai redouté dans ma vie, c'est le pastorat. Je pouvais à peine accepter être prédicateur, mais le pasteur, ça me dérangeait. Jusqu'à ce que Dieu nous a contraints. Je pense qu'en 2006, je suis tombé, j'ai piqué une crise à l'endroit où je travaillais, au comptoir.
Quand j'ai perdu des connaissances, on m'a transporté à l'hôpital. C'est là qu'un pasteur du message est venu prier pour moi, accompagné de frère Jean-Claude Kabangou. Jean-Claude Kabangou, pasteur le Seigneur aurait parlé à cet homme de Dieu que je ne vais pas le prendre maintenant. Il sera pasteur, mais pas maintenant. Huyu mtu shwezi kumchukua sasa hivi lakini yeye atakuwa pastori masiku ijayo. Je pense entre 2005 ou 2006 comme ça. Kwani katikati ya 2005 na 2006. Jusqu'à ce que je suis venu ici pour m'installer pour les affaires. Njo kwa maana nikakuya huko nje ya makazi yangu. Dieu a fait que nous puissions est vrai. Na Mungu akafanya kwamba tuanze kutumika. Cette œuvre cela ce n'était pas dans ma volonté. Je pensais faire autre chose dans la ville. Plus tard, j'ai commencé à revoir quelques paroles de prophétie qui ont été prophétées. Donc, dites à ma place. C'est ainsi que nous sommes vraiment derrière la chair dans les pastorats. Je suis tombé dans une quelque chose là qui m'a été donné depuis le 17 mars 2018. Ce message là est enregistré dans mon iPad ici, mais ça fait longtemps que j'ai compris qu'il faut l'écrire, donc écrire cela, transcrire le message. Je l'ai fait ce jour-là avec mon fils Grâce, je lui ai dit, écris-moi cette prophétie. Alors que j'avais placé sur un papier, c'est en rapport avec le ministère que Dieu nous a donné. J'étais là, je prêchais sur la miséricorde du Fils de l'homme chez le pasteur Agabis là-bas, du côté Kisanga, au troisième pôle tabernacle. Et quand j'ai parlé dans quelques temps qui ont suivi, quelque chose a emballé la salle. Et j'ai vu un homme inconnu, mais il est entré en transe, il a commencé à prophétiser sur moi. Et je voulais vous donner ces quelques paroles de cette prophétie, afin que vous puissiez comprendre, parce que peut-être vous pouvez voir certaines choses se passer, mais on est contraint d'être cela. Je peux lire ça directement en français pour gagner du temps. Il était dit ceci. Regarde-toi, mon serviteur. Je vois devant toi, il y a un chemin. Et moi, je me tiens sur ce chemin. Je vois dans tes mains, tu gardes quelque chose dans tes mains. Mais cette chose qui est dans tes mains, mais je vois comme si tu considères cela comme pour toi-même. Mais ce n'est pas comme ça. Mais cette chose qui est dans tes mains, je vois dans ce chemin que j'ai tracé devant toi. Je te vois, tu pars ici et tu reviens. Tu pars encore et tu reviens. Tu pars encore et tu reviens. C'est quoi? Tu pars là-bas en train de me répandre. Pourquoi? Pourquoi tu restes à renfermer? Pourquoi tu restes à renfermer? Je te connais. Je connais ce que j'ai placé en toi. Voilà comme signe. Voilà ce que tu sens dans ton cœur. Tu sens dans ton cœur comme le feu qui brille. Tu sens de briller dans ton cœur. C'est ma présence. Attention, je suis avec toi
Et à tes pieds, il y a des bottes que j'ai placées là-bas. C'est quoi? Je te vois marcher sur des épines. Les épines, c'est quoi? Ce sont les critiques. Tu as été rejeté et abandonné là-bas. Mais je te vois sauter sur ces épines avec ces bottes. Attention, attention. Tu dois attendre mon temps. Moi-même, je te parlerai, même dans les songes, même dans ton cœur. Tu vas là-bas et tu retournes. Tu vas là-bas et tu retournes. Ainsi dit le Seigneur. Et cette prophétie m'a été donnée, j'en ai parlé d'une certaine manière superficielle là. Et ce qui... Je suis quelqu'un qui n'aime pas les déplacements. Je suis quelqu'un qui n'est pas trop chaud pour les voyages, pour voyager, aller par-ci, par-là. Si tel était le cas, je serais déjà aux États-Unis parce que quelques de nos frères et amis qui sont là m'ont invité, ça fait presque 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça, pour que je puisse aller aux États-Unis. Alors, dans les choses que vous voyez, des fois des perturbations, aujourd'hui je prêche là-bas, aujourd'hui je prêche là-bas, aujourd'hui on m'appelle et je prêche ici. Peut-être, vous pouvez peut-être comprendre mal les choses, c'est dû à l'appel que Dieu m'a donné. Donc, dans cette prophétie, la chose qui m'a intéressé, Dieu me reproche. Pourquoi tu y es renfermé? Pourquoi tu y es renfermé? C'est pour cela que vous pouvez voir certaines des choses désagréables, comme en 2020, où je suis allé à Cape Town, je prêchais sur un message intitulé « Conduis-moi vers les rochers que je ne puisse atteindre ». Il y avait un prédicateur pasteur qui était venu m'écouter dans cette église-là, mais ne sachant pas cette prophétie, après la prédication, il était en train de pleurer, il était dans la joie. Quelque chose s'est emparé de lui dans la réunion. Mais il me dit, pasteur, je vous dis que ce ministère que Dieu vous a donné ne doit pas être local. S'il y a quelque chose qui peut aider le corps de Christ. C'est ainsi que vous pouvez le voir comme ça. Et comme le dimanche... Je pensais venir vous aviser pour les réunions qui s'effectuent aux lumières du soir. Mais malheureusement, je vous ai trouvé, déjà on vous congédiait. Et j'avais omis de les signaler au diacre pour vous signifier qu'il y a des réunions, je serai prêt, donc orateur chez les lumières du soir. Et je m'excuse pour cela. Et juste pour vous faire voir que Dieu nous reproche pour que nous ne puissions pas être enfermés. Et il a prévu que nous puissions aller retourner, comme il est dit là. Et c'est le chemin qu'il a tracé devant nous. Je pense que ceux qui sont comme, permettez l'expression, les membres fondateurs de cette église, ceux qui me connaissent depuis Mbujimayi, et ils savent certaines réalités par lesquelles je suis passé dans la ville. Et ceci, c'est la deuxième fois. Je suis allé chez le pasteur Moïse Chichenene et après la prédication, j'ai vu un prédicateur qui ne me connaissait pas. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a répété presque la même chose en disant, je vois dans ta vie, tu as été abandonné et rejeté. Et je sais que si Dieu ne m'a pas permis de marcher sur ce chemin rocailleux, cette église n'aurait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Si je ne me suis pas tenu pour prêcher l'évangile sans compromis, cette église serait une grande église. Si je voulais prêcher le fanatisme sur les
les dons, on serait beaucoup ici. Kama niwezi kuhubiri usupavu wa mazawadi, niwezi kuwa ba mingi sana hapa. Parce que avec ce peu de quelque chose que Dieu nous a donné, si on est fanatique avec les dons, on allait avoir beaucoup de gens ici. Juna hii zawadi Mungu anetupa kama tulikuwa tu usupavu kama batu beko mingi sana hapa. Mais nous tenons que Dieu puisse nous aider, comme je l'ai dit au Rouge Gorge Tabernacle, que j'étais un homme d'affaires, mais Dieu m'a appelé pour prêcher la parole et je lui ai promis de prêcher son évangile sans compromis. Na sauvle ni lilaka Mungu kwamba mie shina mtenda biashara niko na hubiri na ndahubiri kwa shipo kupingana na neno. Alors vous qui faites confiance dans ce petit don que Dieu nous a donné, na mwe benye kona tumainia hii zawadi kidogo Mungu anetupatia, ne soyez pas dérangés par les va et vient, les sorties ainsi de suite. Mushivurukiwe kama mnenyona mimi natoka mimi naenda na mimi narudia. Moi-même je n'ai pas l'envie d'être connu. Mimi mwenyewe mimi sipendake bantu banifamie ba mingi. Parce que j'aime faire les choses très simples. J'aime être modeste. Mina pendaka tu kufanya maneno mkujishusha zaidi. Je ne vais pas entrer ici, passer chim bonjour. Ici passer chim bonjour. Des fois ça me dérange quand je vois des choses. Mishipendake mine ngirio kubanilamkia mine ngirio kunilamkia bili bitu ya vile mishipendake. Voilà ce que je voulais dire à Life Tabernacle. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Ainsi je remercie aussi un frère qui m'a remis deux paires de ketch là, c'est très beau là. Comme j'aime faire le sport, il m'a apporté aussi une corde à sauter. Si vous voulez perdre du poids, venez, on saute ensemble chez moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse le frère. Na Mungu abariki le nuku. Notre mari mi ce jour-là les poulets. Na mwingine alimtolea nkuku ile siku. Oh la la la, ende ce 4 matin je vais manger ça. Na mmoja ile masiku tutakula ile nkuku. Si que le trevo soit béni à jamais, je vous demanderai de vous mettre debout. Amen. Mnaweza kusimama sasa tusome neno la Mungu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Juges, chapitre 13. Tutafungula ma Biblia zetu mu kitabu cha Waamuzi sura ya 13. C'est 15 à 18. Kistari cha 15, 18. Et nous allons prendre Esaïe chapitre 9, verset 6. Na tutachukua tena Yeshaya sura ya 9, kistari cha 6. Si nous pouvons incliner la tête pour un moment de prière. Na tunawezi kuomba Mungu. Dieu est notre Père et notre Sauveur. Tu es notre soutien. C'est toi qui es le symbole de notre résistance. Et tu es le secret de notre réussite. Tu es le seul fondement sur lequel nous tenons. Tu es le rocher qui nous protège et qui nous garde. Tendre et glorieux Père, je me tiens devant ton peuple racheté par ton sang précieux. Je t'en supplie, ô Dieu, de pouvoir bénir ces instants les plus glorieux de notre rencontre, où nous allons partager la communion du Seigneur au travers de ce message. Prends tous les contrôles, Seigneur Jésus, sur toutes choses. Bénis ton serviteur. Circoncis les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont entendre. Dispense ta propre parole et la vision de Dieu à ton peuple ce matin, alors que nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu connais dans quel état, dans quelle attente, dans quelle expectative chacun est venu, Seigneur. Réponds à la prière de ton peuple. Bénis les pauvres au milieu de nous, guéris ceux qui sont malades, et puissant sauveur, accorde à chacun le désir de son cœur. Alors que nous nous remettons entre tes saintes mains, bénis ces instants pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous lisons ceci alors que nos sœurs puissent veiller sur les bébés. Bientôt là, on aura une salle de plaire quand le tabernacle sera érigé. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permettez-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau.
L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un obstacle, tu l'offriras à l'Éternel. Manoac ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et Ésaïe chapitre 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et dans ces deux textes que nous venons de faire, j'aimerais parler sur un petit sujet ou peut-être le titre de mon message, c'est Jésus-Christ le merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans le message La persévérance qu'il a prêché le 20 mai 1962, j'ai lu ceci au paragraphe 12. Frère Branham avait des préoccupations, des pensées qui l'occupaient avant d'aller à la chair. Et nous essayons de pouvoir nous aligner derrière les messagers. Parce qu'un jour j'étais dans la prière il n'y a pas longtemps. Quelque chose m'a saisi et a commencé à parler. Il y a les objectifs du message. Donc, quand Frère Branham a porté ce message, il avait des objectifs. Quand Dieu a envoyé ce message, il a des objectifs. À son paragraphe 12, Frère Branham déclare, je pensais il y a quelques instants pendant que j'étais assis dans la chambre de motel, je disais, Seigneur, que dois-je dire cet après-midi à tes enfants? Car j'aurais les racheté par ton sang pendant 45 minutes ou une heure, peut-être. Cet après-midi, les élus, les enfants de Dieu, dans cette... il ne termine pas la pensée. En ces jours ici, dans cette grande ville et dans les alentours, le pèlerin est étranger dans ce monde. Il n'y a ici aucun endroit qu'ils peuvent en faire, en fait, appeler chez eux. Mais chez eux, c'est au-delà. Lakini kwabo ni le ngambo ya pili. Et ils sont des pèlerins. Nabo ni bapelelezi. Et je m'adresse aux rachetés du Seigneur. Na niko na semezana kwa kombole wa Bwana. Vous qui êtes des pèlerins dans ce monde. Mwe benye kwa bapelelezi mwi dunia. Et vous n'avez pas un endroit où vous pouvez appeler chez vous dans ce monde. Na amuna nafasi umu dunia kule mnawezi kuita sema ni kwenu. Et le prophète déclare, chez vous, c'est dans l'au-delà. Et je ne peux pas venir avec les jeteurs leur dire quelque chose qui les offenserait. Il me faut dire quelque chose qui les aiderait. Je ne viens pas à l'église juste pour être vu ou pour être entendu. Je viens pour essayer d'aider ces gens. Essayer de faire quelque chose pour eux, de sorte qu'ils ne quittent pas l'église en disant, eh bien, je me suis assis là en vain cet après-midi. Je n'ai rien appris. Je n'ai pas eu la visitation de l'Esprit. Donc, j'aime rester dans la parole.
parole. Kumbi mina penda kubakia ndani ya neno. Car l'esprit évolue avec la parole. Juro inakuwa naenda pamoja na neno. Et je lis sa parole et je parle de sa parole. Na nilisoma neno yake na mina sema kwa ajili ya neno yake. J'aimerais aussi attribuer ces paroles à cette congrégation. Na mina penda tena hii misemo niambie hii kanisa hii asubuhi. Que je ne viens pas ici pour être vu ni pour être entendu. Ya kwamba mishi kuya hapa njua kwamba munione au munisikie. Mais chaque fois que je viens du haut de cette chair, lakini kila wakati nitakuya nyumba hii mbali, j'essaie de pouvoir vous aider. Niko na pima tu kumisaidia. Mais le regret ou les choses que Frère Banam réfléchissait, lakini bitu pabile nabii alikuwa nafikiri, nous ne voulons pas que quelqu'un vienne à réunion et dise j'étais assis ce matin en vain. Na atupenda kwamba kama munakuya hapa mutoke mukusema kwamba muko benye kuikala hapa kwa bule. Et les prédicateurs qui sont avec moi, nous devons faire conjuguer l'effort. Baubiri bote benye kuwa hapa tunapasha kufanya nguvu. Pour que les gens ne viennent pas regretter d'être venus à l'église. Juu kwamba wakati bantu beko nakuya hapa bashisikitike juu ya nini balifika hapa. Vous savez à Kinshasa la révérend Jacques Mour connaît. Munajua kule Kinshasa ndugu Jacques Mour anajua. Les Kinois font de grandes distances pour venir à l'église. Ba Kinois balakuwa natoka mbali zaidi njua kwenda mkanisa. Et s'ils ne trouvent pas quelque chose de réel qui peut les bénir, ils vont regretter leur transport. Na kama banakuya mkanisa abaonemo batasikitika tu njua franga yabo. Et le désir de mon cœur est que chacun ne puisse pas regretter en disant que je suis assis là en vain. Na itaji ya moyo wangu mishipene mtu asema kwamba anekala hapa kwa bule. Et nous venons à l'église pour apprendre quelque chose. Na tuko tunakuya mkanisa njua kujifunza kwa kitu fulani. Et je ne veux pas que quelqu'un sorte de cette salle en disant je n'ai rien appris. Na mishipene mtu atoke hapa mukusema kwamba ana na kila nafunda. Après avoir appris quelque chose, nous venons dans l'église pour recevoir la visitation de Dieu. Na kisha kufunda kitu fulani tunapenda kwamba Mungu atutembele. Et je ne veux pas que quelqu'un sorte ce matin en disant je n'ai pas reçu la visitation de l'esprit. Na mishipene mtu atoke hapa mukusema kwamba mishione Yesu kunitembelea. Mais tout ça, ça dépend de votre attitude envers la parole qui sera prêchée ce matin. Lakini ile yote nambatana na ali ile unakuwa nayo mbele ya neno. Je crois que ce matin quelqu'un doit apprendre quelque chose. Na mimi ya kwamba hii asubuhi kuko ule atafunda kitu fulani. Je crois ce matin quelqu'un aura la visitation de l'esprit. Na mimi roho itatembelea mtu moya hii asubuhi. Alors que nous parlons d'un petit message intitulé Jésus-Christ le merveilleux. Na jambo tunakuwa nasemea hiki shina kiloko kwamba Yesu eko wa mzuri zaidi. Comme vous venez de le dire. Vile tunatokea kuisema. Ou de le lire dans la parole. Vile tunaisoma ndani ya neno. Quand Manoah demanda à l'ange quel est ton nom. Wakati Manoah akauliza malaika jina yako ni nani. L'ange dit à Manoah pourquoi tu me demandes le nom. Malaika akamwambia unauliza jina yangu juu ya nini. Mais l'ange dit il est merveilleux. Lakini malaika anasema eko mzuri zaidi. Et dans Esaïe chapitre 6. Na kuyeshai sura yake ya 6. Quand l'enfant nous a été donné. Wakati mtoto alitupewa. Quand le fils nous a été né. Wakati mtoto alizalika. Le gouvernement reposera sur son épaule. Ile serikali itapumzika pa mabega yake. Ça c'est la version Darby. Ile njo kutafsiri kwa Darby. Que le gouvernement reposera sur son épaule. Na ile serikali itapumzika pa mabega yake. Et on l'appellera merveilleux. Na batamwita mwema. C'est ce que l'autre traduction déclare admirable. Jo ule wakutazama. Et c'est la même chose. Na njo vile tena. On l'appellera merveilleux. Batamwita wa mzuri zaidi. Il est conseiller. Ye ni mshauri. Il est Dieu fort. Ye ni Mungu wa nguvu. Il est le père des siècles, le père de l'éternité. Ye njo baba wa milele. Celui qui est le prince de la paix. Ye njo ule mfalme. Et Frère Branham déclare. Na biala sema. J'aimerais de ces quatre matins. Mina penda mmoja hii masiku. Prendre chacune de ces paroles. Kuchukua mmoja hii misemo. En parlant sur les merveilles. Parlant sur les conseillers, Dieu fort, prince de la paix, Père éternel, des sujets qu'on peut décortiquer. Mais ce qui nous intéresse ce matin est que Jésus-Christ est le merveilleux. Il est le merveilleux. Yenjo wa mzuri kushindia. Et le mot merveilleux. Na ile musemo merveilleux. C'est celui qui cause une grande admiration. Ni ule eko lafanya kwamba bantu bote ba mutazame. Et cette admiration mêlée d'une grande surprise. Na kule kutazama kuna pitia kushitushwa. Merveilleux, c'est celui qui nous surprend. Ni ule anakuwa anatushutusha tu. Merveilleux, c'est celui qui est excellent dans son genre. Ni kusema ni yeye
Quand il fait des choses, il fait les choses dans son genre. Même ses décisions sont vraiment, vraiment les décisions à son genre. Merveilleux est celui qui étonne. Et cela semble être inexplicable. Le merveilleux, c'est le miraculeux. Et nous croyons ce matin que Jésus est le miraculeux. Et je vous déclare, il peut nous surprendre. Par il a devant lui des voies insondables. Merveilleux, c'est un Dieu étonnant. Il peut épater les gens. C'est un Dieu formidable. C'est Jéhovah prodigieux. Il est extraordinaire. C'est un Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il est surnaturel. C'est là que je parle de Jésus merveilleux. Il est admirable. Il fait des choses qui dépassent l'entendement de Job. Il peut nous surprendre avec des choses. Il peut exaucer la prière même au-delà de ce que nous avons demandé. Parce qu'il est le merveilleux. Il est l'admirable. Béni soit son Seigneur. Amen. Il est Dieu plein de surprises. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit son Seigneur. En tant que le Dieu merveilleux. Yes, si il est merveilleux. Quand il dit des choses, ce sont des choses merveilleuses. Quand il fait des choses, ce sont des choses merveilleuses. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques paroles merveilleuses prononcées par le Jésus merveilleux et prendre quelques œuvres merveilleuses accomplies par le merveilleux Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le merveilleux Jésus a parlé des paroles qu'aucune autre personne ne peut prononcer. Même les sacrificateurs dans le temple ne pouvaient pas en parler. Aucun homme de science n'a jamais parlé comme lui. Parce qu'il parle des choses merveilleuses. Il parle des choses qu'aucun potentat ne peut parler. Aucun peuple ne peut parler comme lui. Napoléon ne pouvait pas parler comme les merveilleux. Alléluia. Amen. Tous les hommes historiens ne peuvent pas parler comme lui. Qu'est-ce qu'il a parlé, ce merveilleux? Il a dit dans sa parole, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Montrez-moi qui peut parler comme ça. Quel sacrificateur dans le temple pouvait parler comme ça? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 24. Verset 35. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Quand Dieu parle, sa parole doit se manifester. C'est ce que dit le merveilleux. Dans Jean chapitre 6, verset 60. Le merveilleux a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles qui sortent de Jésus, ce sont les esprits et c'est la vie. Si vous recevez ces paroles, derrière les paroles de Jésus, il y a un esprit et il y a une vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il est merveilleux. Et je dis que Jésus est merveilleux. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il est merveilleux. Dans
Dans ce message intitulé Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les saints prophètes parlent. Prêchez le 24 décembre 61. Je prendrai quelques versets dans ce message-là, c'est là que je suis inspiré. Il dit au paragraphe 123, Esaïe a dit, on l'appellera. Dans le même chapitre, il dit, on l'appellera. Non, le chapitre 55 d'Esaïe dit, on l'appellera merveillé. Vous comprenez qu'on peut faire l'abscis dans les parlers. C'est les autres chapitres, mais il dit, c'est chapitre 55. Ça s'appelle dans la linguistique. Oui, on appelle ça les abscisses. Les erreurs qui se commettent en écrivant. On l'appellera merveilleux. Conseiller. Prince de la paix. Dieu puissant. Père éternel. Baba wa milele. Amen. Amen. Frère Barnabé de Glace, j'aurais voulu avoir du temps. Kuwa na wakati, je voudrais tirer un sujet de chacun d'eux. Conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, Baba wa milele, et merveilleux. Na eko wa muzuri zaidi. Déclare. Anasema, mais abordons cette pensée merveilleuse dans quelques minutes. Eko muzuri zaidi mudakika kidoko. Merveilleux. Eko wa muzuri zaidi. Qu'est-ce qu'il a dit le merveilleux? Ni nini alisema ya muzuri? Dans Jean chapitre 10 verset 30. Yona 10 masikumi na tatu. Le merveilleux Jésus a dit. Ule Yesu wa muzuri zaidi anasema. Moi et le Père nous sommes un. Mie na baba tuko kimoya. Et frère Barnabé continue. Anabia anaendelea. Il dit merveilleux. Asema wa muzuri zaidi. Esaïe a dit qu'il était le merveilleux. Yesha alisema kwamba ni wa muzuri zaidi. Parlons de certaines choses qu'il a dites. Tu sais quoi bitu bila lisemea. Et qui ont fait de lui le merveilleux. Na bile bilifanya kwamba ye awe ule wa mzuri zaidi. Qu'est-ce qui fait de lui le merveilleux? Nini nafanya kwamba Yesu akue mtu wa mzuri zaidi? C'est quand il a dit ceci. Ni wakati alisema hivi. Moi et mon père nous sommes un. Mie na baba tuko kimoya. Merveilleux. Wa mzuri zaidi. Dites-moi quel pharisien pouvait dire cela. Unyambie ni mufarizayo kani aliwezi kusema vile. Dites-moi quel souverain sacrificateur pouvait dire quelque chose de comme ça. Kwa kani aliwezi kusema hivi. Quelque chose que Dieu aurait confirmé. Kitu kile Mungu aliwezi kuhakikisha. Voyez-vous? Unaona? Il a dit. Alisema. Si je ne fais pas les œuvres de si je ne fais pas les œuvres maintenant. Kama mimi sifanye matendo. Ne croyez pas que chose que j'ai dit. Kumbi mushamini hata kimoya kile nilisema. Mais si je prêche ceci. Na kama mimi nahubiri hivi. Alors cela montre que Dieu m'envoie le faire. Ile inaonesha kwamba Mungu ndio aliniambia nifanye vile. Maintenant il a dit. Hasa anasema hivi. Moi et mon père. Mie na baba yangu. Nous sommes un. Tuko kimoya. Et non pas moi et mon père, nous sommes trois. Apana mie na babangu tuko batatu. Ça c'est la Trinité vient de Satan. Ile ni butatu bunatokea kwa Shetani. Et l'Église catholique est celle qui a introduit la Trinité dans l'Église chrétienne. Na ni kanisa ya katoliki ndio inaleta miungu tatu. Jésus n'a jamais dit moi et le père nous sommes deux ou nous sommes trois. Yesu ayasemaka mie na baba yangu tuko bawili au tuko batatu. Il a dit moi et le père nous sommes un. Alisema kwamba mie na baba tuko kimoya. Frère Barnabé de Glace. Nabii anasema. Maintenant. Sasa le credo dit matengenezo inasema moi et le père nous sommes trois. Mie na baba yangu tuko batatu. Mais la Bible dit. Lakini Biblia inasema. Jésus a dit. Na Yesu alisema moi et le père nous sommes un. Mie na baba yangu tuko kimoya. C'est merveilleux. Ni mzuri zaidi. Voyez. Unaona. Je fais chair. Alléluia. Mungu mwenye kuchukua mwili. Alléluia. Quand il a dit que moi et le père nous sommes un. Pala nasema mie na baba tuko kimoya. Il prouvait que je suis Jehovah manifesté dans la chair. Alikuwa naonesha kwamba niko Mungu. Non pas une deuxième ou une troisième ou une quatrième personne. Mais Dieu lui-même. Je ne dis pas ce qu'il a dit. Yesu alisema hivi. Je ne dis pas ce qu'il a dit. Mi shiseme kila moi et le père nous sommes un. Mie na baba tuko kimoya. Je ne dis que ce qu'il a dit plutôt. Mi nasema kila moi et le père nous sommes un. Mie na baba tuko kimoya. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Aina mie c'est mon père qui demeure à moi. Baba na si vous ne croyez pas. Kama muamini, croyez la parole. Muamini neno. En effet il est la parole. Ye ni neno. Et la parole a été faite chair. Na neno lichukua mwili. Au commencement il était la parole. Mwanzo kulikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno
pamoja et la Mungu. Parole était Dieu na nene et la Mungu. Parole a été faite chair na nene lishukua Mungu. Il a habité parmi nous na iliketi katikati yetu. C'est la fait de lui na ile nafanya kwamba awe et de Dieu akue Mungu la même personne kusema anakuwa mtu mmoja. C'est la fait de Jésus ile nafanya kwamba Yesu et Dieu na Mungu la même personne awe mtu mmoja. Si Dieu est la parole kama Mungu ni neno et que lui aussi est la parole na yeye naye ni neno. Moi et mon père mie na baba yangu nous sommes un. Alors c'est merveilleux. Kumbi ni mzuri zaidi. Il y a tant de choses à dire là-dessus. Ndio kuko bitu mingi kusema kwa ajili ya ile. Il dit des choses merveilleuses. Eko nasema bitu bia bizuri zaidi. Montrez-moi. Munyoneshe. Quel pape peut parler comme ça? Askofu kani anaweza kusema vile. Quel prophète peut parler comme ça? Nabii kani anaweza kusema vile. Quel message peut parler comme ça? Mtu kani wa elimu anaweza kusema vile. Quel homme de science peut parler comme ça? Nani kani wa elimu atasema vile. Moi et le père nous sommes un. Baba, et quand il a dit cela dans Jean, les gens ont pris des pierres pour les lapider. Na Bayahudi, et il leur demanda pourquoi je vous ai fait voir plusieurs œuvres venant de mon père. Et pour laquelle me lapidez-vous? Et ces derniers avec le comme copain. Ces derniers avec le comme top les juifs. Na aba balikuwa babi pofu. Ils ont dit toi qui es un homme. Bakasema kwamba we mwenye kwa mtu. Tu te fais Dieu. Uko lejifanya Mungu. Parce qu'ils ne voyaient pas que la divinité. Tu aba kuona kwamba Mungu. Avait changé la forme. Alibadilisha uso. Dieu avait quitté la forme de l'esprit. Mungu alitoka umbo ya kiroho. Pour prendre le corps humain. Tu as kuchukua mwili ya binadamu. C'est tenant devant son peuple. Anashimama mbele ya taifa yake. Et il est merveille. Ces paroles sont merveilleuses. Prenons encore quelque chose dans la Bible. Ce que le merveilleux parle ce matin, c'est dans Jean chapitre 8, à son verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Auya eneza miaka makumi tano. Et tu as vu Abraham. Na unasema we uliona Ibrahimu. Écoutez comment le merveilleux parle. Usikie ule mtu wa mzuri bila kusema. Jésus leur répondit. Yesu akawajibia hivi. Jésus leur dit. Akawaambia. En vérité je vous le dis. Ukweli mukweli nawaambia. Avant qu'Abraham fût. Asema mbele Ibrahimu akuwe. J'étais. Asema nilikuwaka. Ça c'est les bons français. Ile ni misemo ya Kifaransa. Avant qu'Abraham fût. Ibrahim, awe, j'étais. Ça c'est le langage des hommes. Mais le merveilleux n'a pas dit ça. Lakini wa mzuri il a dit vile. Avant qu'Abraham fût. Moi awe, je suis. Voilà pourquoi il est merveilleux. Ni et qui est le je suis? Ni nani? C'est celui que Moïse demanda. Devant le puissant Adam. Moïse a demandé kauliza, à la lumière d'ambre. Kwa ile nuru ya mwekundu. J'ai dit Moïse a demandé à la lumière d'ambre. Kwa ile nuru ya il a demandé à la colonne de feu. Kauliza ile nuru. Et tu m'envoies vers Israël. Kwa il faut me demander quel est ce Dieu qui vous a envoyé. Qu'est-ce que je peux leur dire? Nini? La lumière a répondu. Ile nuru ikasema, la voix a répondu. Va dire aux enfants d'Israël. Et lui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui s'appelle Jésus. M'a envoyé. Et le merveilleux. Il est le je suis. Avant qu'Abraham fût. Moi. Je suis. Nico. En d'autres termes. Je suis le je suis du buisson. Arda. Niko, ule wa kishiki kia moto. C'est pourquoi mes amis. Joko mana warafiki. Nous n'adorons pas un simple homme. Atuabudu tule mutu mpese. Lakini tunabudu. Je Yesu. Deveni homme. Ule kakua mutu. Il est le merveilleux. Eko wa mzuri zaidi. Il est le grand je suis. Eko ule munene Niko. Il est je suis. Na ule Niko. Et celui qui envoie. Ni yejo mwenye kwa natuma. Oh, prédicateur de l'évangile. Weba upiri ba enjili. Je vous dis quelque chose. Ne permet pas que les jetés vous envoient. Ne permettez pas que les jetés vous envoient. Je crois ce matin. Celui qui nous a envoyés. Il s'appelle Jésus. Jina yake ni
Il n'est pas le jeté. Il n'est pas le jeté. S'il est le je suis, il doit être Dieu au temps présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu a donné. Il est merveilleux. Echo Nico. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Les merveilles a déclaré. Encore un peu de temps. Le monde me verra plus. Mais vous. Vous me verrez. Mobutu ne pouvait pas parler comme ça. Amen. Mobutu a quoi que ma vie. Aucun président. Akuna n'a jamais parlé comme ça. Ma vie. Aucun monarque. Akuna monarque. N'a jamais parlé comme ça. Ma vie. Mais Jésus. Lakini Yesu, sachant qu'il allait quitter la terre. Il a dit. Alisema, encore un peu le temps. C'est bon. Il ne verra plus. Aitenyona mais tena. Vous. Lakini mwe, vous allez me voir. Utenyona. C'est ce qui fait de lui merveilleux. Awe wa mzuri zaidi. Alléluia. Amen. Et l'église du Seigneur Jésus a le privilège de s'assembler, de chanter, d'adorer, de prêcher et de voir Jésus à l'œuvre. Je le crois ce matin. Amen. Il est le grand je suis. Eko ule niko munene. Il est l'alpha et l'oméga. Eko alpha na omega. Il est le prince de la paix. Eko mfalme wa amani. Alléluia. Amen. Il est admirable. Yeah, ni wa kutazama. Il est étonnant. Eko wa kushangaisha. Un Dieu plein de surprises. Mungu mwenye anawezi kushutusha tu. Je le crois ce matin. Amen. Le même hier aujourd'hui tellement. Eko moja moja jana. Léo na kwa milele. Le merveilleux Jésus. Ule Yesu wa mzuri zaidi. Avant de quitter la terre. Mbele ya kuondoka hapa dunia. Dans Matthieu chapitre 28. Matao 28. Écoutez le langage du merveilleux. Usikie misemo ya ule mtu wa mzuri. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Asema mwende na mufanye mataifa yote mitume. Le baptisant au nom du Père. Mubabatize mujina la Baba. Du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Na mwoneni. C'est ce que j'aime là. Et voici. Na mwoneni. Je suis avec vous tous les jours. Niko pamoja na mwe kila siku. Jusqu'à la fin du monde. Tina kumwisho ya dunia. Et quand il a dit tous les jours. Na pala nasema kila siku. Le 21 juillet. 2024 fait partie de ces jours. Na ile siku iko pamoja sahi ya leo. Je crois quelque chose ce matin. Amini kitu fulani. Il a dit je suis avec vous tous les jours. Alisema niko na mwe kila siku. Et ces jours-ci. Na ile siku ya leo. Et dans ces jours-là. Ilikuwa mu ile siku. Et Jésus. Na Yesu. Va être ici ce matin. Na pashwa kuya hapa. Si il n'est pas le cas. Kama ana hapa. Si ce n'est pas le cas. Ça, ce n'est pas le ventilateur. Kumbi, hii, haina ventilateur. Si ce n'est pas le cas. Kama iko vile. Ça, ce n'est pas la chaise. Hii, haina kiti. Comme ceci est la chaise. Le merveilleux Jésus. Ule Yesu wa heri. Est dans cette salle. Eko hapa hii asubuhi. Portez votre jaquette maintenant. Voilà, ça c'est un coach yako hier asubuhi. Portez votre jaquette spirituelle. Voilà, il est un coach yako ya kiro. Approchez votre âme près de votre cœur. Karibia nafsi yako kwake. Ayez sur vos yeux. Na uwa pa mecho yako. Sur le merveilleux. Pa huyu mwenye mzuri. Prenez votre raquette. Na chukua itaji yako. Ayez votre raquette dans la main. Uwa na itaji yako kwa mkono. Apportez-le devant le merveilleux. Na uilete mbele ya huyu wa mzuri. Il exauce la prière. Ye anasikia ka maombi. Il sauve les pécheurs. Anaokoa watendaji. Il guérit les malades. Il est Dieu au temps présent. Amen. Alléluia. Amen. Je le crois. Mina mini vile. Il peut nous surprendre ce matin. Anawezi kutushutusha hii asubuhi. Peut-être mes notes seront placées de côté. Sazingine bengine batapitia. Peut-être je n'aurai pas terminé ce que j'ai prêt. Sazingine mishi tamaliza ile mina tayarisha. Parce que le Dieu est plein de surprises. Shu ni Mungu wa kushutusha. Dans l'âge de l'église de la fidèle fille. Murikizazi cha Philadelphia. Nabia anasema hivi. Prêcher le Dieu. Décembre 1960. Au paragraphe 163. Il dit je suis la porte. Asema, je suis le chemin. Niko balabala. Je suis la vérité. Niko ukweli. Je suis la lumière. Niko nuru. Quand moi je lis, vous dites amen. Amen. Je suis la porte. Niko mulango. Je suis le chemin. Niko balabala. Je suis la vérité. Niko ukweli. Je suis la lumière. Niko nuru. Qui a déjà parlé comme ça? Nani amesha kusema ka hivi? Non, non. Apana. C'est le mal lui le merveilleux. Paka ye mwenye ule wa mzuri zaidi. Je suis l'alpha.
Niko Alpha. Je suis l'Omega. Na Niko Omega. Je suis le premier. Niko wa kwanza. Je suis le dernier. Na Niko wa mwisho. Je suis le père. Niko baba. Je suis le fils. Niko mwana. Je suis le Saint-Esprit. Niko Roho Mtakatifu. Je suis Niko. Je suis Niko. Ce matin. Asubuhi. C'est Jésus. Niko. Il n'est pas le jeté. Ashina ula likuwaka. Alléluia. Amen. Parana matakla. Nabia nasema. Non pas. Jete. Apana nilikuwaka. Non pas. Jete. Apana nilikuwaka. Non pas. Je serai. Apana mita kuwaka. Je suis celui qui suis. Niko ule eko. Et répétons ensemble. Je suis celui qui suis. Alléluia. Le tout. Biote. Je suis Niko. Non pas jeté. Apana nilikuwaka. Où je serai. Au mitakuwa. Le jeté. Au ula likuwaka. Me plongera dans les inquiétudes. Atenitupa mukukosa kujua. Écoutez toi qui a un problème. Sikia wewe mwenye kuwa na mambo. Toi qui est malade. Wewe mwenye kuwa na gonjwa. Toi qui est pécheur. Wewe mtenda zambi. Toi qui a un besoin. Wewe unahitaji. Le jeté. Ula likuwaka. Vous plonge dans les inquiétudes. Atetuangusha mu masumbu. Si Dieu agissait, kama Mungu alikuwa na tendaka, si Dieu guérissait, kama Mungu alikuwa na ponyesha, si Dieu était le même, kama Mungu alikuwaka, ça c'est le jeté. Ile ni ule alikuwa. Maintenant le je serai. Lakini ule atakuwa. Vous plonge dans des espoirs. Enda kutupa mutumaini. Il fera. Atafanya. Il fera. Atatenda. Il fera. Atafanya. Na le je suis. Lakini ule eko. Donne le courage. Eko na leta nguvu. Le je suis. Ule eko. Nous donne la force. Eko alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je suis. J'ai dit je suis. Mina sema echo. Cela signifie. Il est la manisha. Cela signifie. Il est la manisha. La présence vivante pour l'éternité. Nikusema wepo yenye kwa naishi juu ya ukweli. Alléluia. Amen. La présence vivante. Et ce matin, je ne crois pas que Dieu au ciel. Ce matin, je ne vous prêche pas. Dieu est dans le paradis. Ce matin, je ne vous prêche pas. Dieu au-delà des étoiles. Ce matin, je vous prêche. Je vous prêche. Le brillir du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prêche la chose qui enflamme mon cœur. Amen. La présence vivante du Dieu vivant. Il est wepo. Ya Mungu mwenye kuwa na ishi. Alléluia. Amen. Que les croyants disent amen. Amen. Je le crois ce matin. Je le crois. J'ai dit, s'il était le jeté, j'ai le droit de me retirer de la chair. Amen. J'ai le droit de ne pas prêcher pour lui. Amen. S'il est le Dieu du futur, kama ni Mungu atakuyaka, j'ai le droit de me retirer de la chair. Minapasha kutoka mimbali. S'il est le Jésus, lakini kama eko, je peux le prêcher. Minapasha kumubiri. Sachant qu'il est le puissant conquérant. Kwenye kujua kwamba ni mshindaji. Je peux le prêcher. Minapasha kumubiri. Sachant qu'il peut sauver l'âme. Amen. Il peut sauver l'âme. Anawezi kokoa na fe. Il peut guérir la personne la plus malade. Anawezi kujibia kwa hitaji. Il peut bénir le pauvre. Anawezi kupariki maskini. Il peut changer votre statut. Anawezi kubadilisha umbo lako. Juu ya nini? Je suis. Dieu. Echo. Je dis je suis. Je dis je suis. Dieu ni Mungu echo. Et il est le je suis. Na echo Mungu mwenye kuwa. Je suis toujours. Niko paka. Je serai toujours. Mitakuwa paka. Je suis maintenant. Niko sasa hivi. Tel que j'ai toujours été. Paka vile mine kalaka. Alléluia. Amen. Et que je serai toujours. Na mitakuwaka. Il est vraiment le je suis. Yeah, echo ule echo. Qu'est-ce qu'il était? Alikuwaka nini? Sauveur des pécheurs. Qu'est-ce qu'il était? Alikuwa nani? Il pardonnait les péchés. Alikuwa anasamea mazambi ya watu. Qu'est-ce qu'il était? Alikuwa kanani? Il donnait la vie aux aveugles. Alikuwa anafupisha vipofu. Qu'est-ce qu'il était? Il faisait parler les muets. Alikuwa anasemesha vipofu.
Il est le je suis. Eko ule eko. Il est le je suis. Eko Mungu eko. Et faites-lui confiance ce matin. Na mwemu mutumaini ya asubuhi. Il est toujours le je suis. Ju eko paka ule Mungu eko. Autant présent. Mungu wa hii asubuhi. Je qui ne change jamais. Mungu mwenye awezi kubadilika. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. J'ai dit frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le message, regarde l'invisible. Et ce matin, ne me regardez pas moi. Mais veuillez regarder à l'invisible. Frère Branham dit, au paragraphe 41, prêchez le 3 octobre 58. Écoutez ce qu'il a dit quand il s'en allait. J'attire votre attention sur le merveilleux quand il voulait quitter la terre. Voici Moneni. Encore un peu de temps. Dakika kidoko. Et le monde. Na dunia. Le monde visible. Dunia ya mecho. Intellectuel. Dunia ya ufamo. Cultivé. Yenye kujifunza. Scientifique. Ya elimu. Ce monde là. Ile dunia. Ne me verra plus. Aite nyona tena. C'est parfaitement une prophétie. Hakika alikuwa na tabiri. Cela ne peut être que la vérité. Ile naezi kuwa paka ukweli. Jésus Christ l'a dit. Yesu Kristo alisema. Les croyants intellectuels. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin des âges. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage. Car je m'en vais au Père. Les merveilleux, il va s'en va au Père. Et frère Branham dit. Serrez vos ceintures maintenant. Mufunge mushipi sasa hivi. Frère Branham a dit. Tu parles nasema. C'est grand Dieu. Ule Mungu mukubwa. Et Père. Ule Baba. Dont nous parlons. Ule mwenye tunakuwa nasema. J'ai dit dont nous parlons. Kwa ajili ya ule tunasema. N'est pas quelqu'un qui était. Ashina mutu mwenye alikuwaka. Il est quelqu'un qui est. Ni mutu mwenye. Eko. Que les croyants disent amen. Amen. Le grand Dieu. Ule Mungu mukubwa. Et Père. Ule Baba. Dont nous parlons. Mwenye tulakuwa nasema. N'est pas quelque chose qui était. Ashina kitu kenye kilikuwaka. Alléluia. Amen. Mais c'est quelqu'un qui est. Lakini ni mutu mwenye. Eko. Si son peuple qui est appelé de porter son nom franchit le mur de ce que le monde a à dire, de ce que l'Église doit dire, de ce que la science a à dire. Au kiote kile dunia, au elimu, au batu banawezi kusema. Qu'est-ce que la science a dit? Elimu inasema nini? Cette femme ne peut pas mettre au ye, monde. Le temps de maternité est déjà passé. Wakati yake ya kuzala isha pita. Qu'est-ce que le monde a dit? Dunia inasema nini? La science a dit. Elimu inasema. Vous avez 5 minutes à vivre. Unabakia tu dakika 5 ya wewe kuishi. Mais le merveilleux est plein de surprises. Lakini ule Mungu anawezi kukushutusha. Maintenant. Sasa hivi. Maintenant. Sasa hivi. Oubliez ce que les églises disent. Sabu. Biote bile makanisa nasema. Oubliez ce que la médecine vous a dit. Sabu kile bali kuambia ku hopitalo. Oubliez ce que la famille a dit. Sabu kile bashangazi bali sema. Et regardez à ce merveilleux. Angaria kwa huyu wa mzuri zaidi. Si nous pouvons franchir. Kama tulawezi kutambuka. Le mur de l'incrédulité. Kibambashi ya kutokuamini. Et regardez à ce que il a agi. Kuangaria kwa kile yeye anawezi kusema. À cet instant. Mui dakika hii. Vous franchirez ces vibrations de l'incrédulité. Pale utatambuka kule kutokuamini kote. Et vous vous en irez libre. Na pale utatoka hapa huru. Hors de ce bâtiment ce matin. Inje ya hii chumba hii asubuhi. Tout aussi heureux que vous puissiez l'être. Utakuwa waheri namuna yote. Pour servir Dieu. Dieu kutumikia Mungu. Pour sentir libre. Dieu kujisikia huru. Libéré de tout péché. Mwenye kukombolewa kwa zambi yote. De votre maladie. Mwenye kuponyeshwa kwa magonjwa. Et bien ce sera merveilleux. Na pale itakuwa ule Mungu wa mzuri zaidi. Dieu ne serait pas
un Dieu de justice. Na Mungu atakuwa Mungu wa wake hao. S'il récompensait une personne pour sa foi. Kama mtu anajibia kwa ule mtu mwenye kuwa na imani. Et refusait de récompenser une autre. Il ne peut pas faire cela. Na kukataria mtu mwingine atafanya vile hao. Il ne peut pas faire cela. Hawezi kufanya vile. Il est merveilleux. Eko wa mzuri zaidi. Il est le Dieu fort et puissant dans la bataille. Mungu wa uwezo. Il ne change pas. Yeah, aya badirika. Et beaucoup de pensées na mawazo mingi sur ce qu'il a dit Pabila lisema, peuvent tomber. Mais changeons un peu le sujet. Laissons les choses merveilleuses. Parlons des œuvres merveilleuses. Pa matendo ya mzuri zaidi. Alléluia. Amen. Car je crois s'il est merveilleux, il dit des choses merveilleuses. Il accomplit des choses merveilleuses. Car dans Jean chapitre 5, verset 36, il a dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoigner de moi, et c'est le Père qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 10, verset 25, écoutez ce qu'a dit le merveilleux. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Au verset 37, le merveilleux déclare, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Alors, essayons de voir quelques œuvres merveilleuses. Branham déclare, dans ce message-là, nous voudrons voir Jésus. Il dit au Parc 132, pensons un peu aux œuvres d'autrefois. Qu'avait-il fait? Qu'était-il pour Isaïe? Qu'était-il pour qu'Esaïe dise qu'il était merveilleux? Alifanya nini kwa Eshai kwa ajili kwamba yeye aseme eko wa mzuri zaidi? Qu'est-ce qu'il est? Eko namna kani? Qu'est-ce qu'il était? Alikuwa kanani? Pour qu'Esaïe puisse dire, il est Eshai asema kwamba ni mzuri zaidi. Il est prodigieux. Eko wa mizuri. Il est un jeu de surprise. Eko il est étonnant. Il est surnaturel. Eko wa kimungu. Qu'est-ce qui a amené Esaïe à dire ça? Nini lifikisha Eshai aseme vile? Après lui avoir attribué tous les titres possibles. Kisha eko mupanga ile manjina yote. Conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Mufalme, Père éternel, tout ceci, il a dit, anasema, il est simplement merveilleux. Asema tu, ni wa mzuri des zaidi. Paroles merveilleuses. Ya mzuri zaidi. Maintenant, nous allons pendant une minute parler de ses œuvres merveilleuses. Nous allons parler des œuvres merveilleuses. Écoutez le merveilleux. C'était un jour dans un village ou une ville appelée Naïn. Et dans cette ville de Naïn, il y a eu une femme qui n'avait qu'un enfant, une fille. Mais malheureusement, la femme était veuve. Lakini ule dada alikuwa mjane. Et pendant que Jésus s'en allait, wakati Yesu alikuwa naenda, dans cette ville appelée Naïn, muile mukini banaita Naïn, accompagné de ses disciples, mwenye kushindikizwa na watume wake. La Bible déclare que une grande foule faisait route avec lui. Biblia inasema kundi ya bantu ilikuwa namshindikiza. C'est dans le livre de chapitre 7. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on a porté en terre un mort qui est mort unique de sa maman. Et c'était le fils unique, pas une fille unique comme je l'avais dit là. J'avais confondu les événements. Et cette maman avait le fils unique. Alikuwa na mtoto tu moya. Était veuve. Na alikuwa mjane. Et beaucoup de gens de la ville l'accompagnaient. Na batu mingi balikuwa na mshindikiza. Mais j'aimerais attirer votre attention. Mina penda kuvuta angalisho yenu. Qu'il y avait une rencontre particulière de deux personnes
particulier. L'autre étant le fils unique de sa mère, l'autre étant le fils unique de son père. Amen. Moya alikuwa mwana pekee wa mama yake, mwingine alikuwa mwana pekee wa baba yake. Oh, Jésus est merveilleux. Chapo Yesu ni mzuri zaidi. Cette rencontre attire mon attention. Kule kupatana kunavuta angalisho langu. Était le fils unique de sa mère. Moya alikuwa mzaliwa tu pekee wa mama yake. L'autre fils unique de son père. Na mwingine pekee wa baba yake. Alléluia. Amen. L'un ayant la mort. Moya mwenye kuwa na lufu. L'autre ayant la vie. Na mwingine mwenye kuwa na uzima. Alléluia. Amen. Et j'écoutais. Na musikie. C'est comme si j'ai dit quelque chose qui ne devait pas être dit. Amen. Je ne dis pas ayant la vie, mais il était la vie. Mishi sema kwamba alikuwa na uzima, ye njo alikuwa uzima. Le fils unique de sa mère. Ule mwana pekee wa mama. Avait la mort. Ye alikuwa na lufu. Mais l'autre était la vie. Lakini mwingine alikuwa uzima. Nous voyons la rencontre entre la mort Kuna, et la vie. Kupatana kwa uzima na lufu. Et nous allons déclarer qui est puissant. Na tutasema ni nani yuko na uwezo. Qui va céder place à l'autre. Atachia mwingine fasi. Qui va être changé. Ni nani atabadirika. Qui va disparaître. Ni nani atapotea. Et quand la mort. Wakati lufu. Et la vie. Na uzima. Se sont croisés. Na kutana. La mort a disparu. Ni lufu. Et la mort est dans le péché. Na zambi est dans le péché. Iko ndani ya zambi. Et je vous déclare. Na mimi niambia, la mort ne restera pas vivante quand la vie est là. Na lufu aluwezi kubakia lufu kama uzima iko. Parce qu'il est merveilleux. Personne n'a jamais rencontré le merveilleux et resté le même. Hakuna ula anawezi kukutana naye na kubakia vile vile. La mort a fui. Lufu lulikimbia. Jésus a touché le cercueil. Yesu anagusa kabu. Alléluia. Amen. Il a dit. Anasema. Jeune homme. Kijana mwanaume. Lève-toi. Shimama. Et le jeune homme se leva. Na ule kijana mwanaume akashimama. La mort est partie. Lufu lukapita mbio. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi? Dieu a nini? Parnam déclare. Na biana sema. La vie et la mort. Uzima na lufu. Ne peuvent cohabiter. Abiwezi kuikala fasi moya. Je dis amen. Amen. Et toi aussi dis amen. Amen. La mort. Lufu. Et la vie. Na uzima. Ne peuvent habiter. Que ça soit dans le corps. Iwe mumwili. Que ça soit en esprit. Iwe mukiro. Que ça soit dans les affaires. Iwe mubiashara. Je dis. Mina sema. La mort. Lufu. Et la vie. Na uzima. Ne peuvent cohabiter. Abiwezi kuikala pamoya. S'il y a la mort. Kama kuko lufu. Dans n'importe quel domaine. Kila kiwango. Je répète. Mina semulula. La vie. Uzima. Et la mort. Na lufu. Ne peuvent cohabiter. Abiwezi kukala pamoya. Et regardez comment les cellules du corps d'Abraham étaient déjà mortes. Monene na mlakani ile mauchepuko ndani ya mwili ya Ibrahim ilikuwa yenye kufwa. Les gènes et les cellules dans le corps de Sarah étaient déjà mortes. Na ile mauchepuko ndani ya Sarah ilikuwa yenye kufwa. Mais quand le merveilleux est apparu. Wakati ule wa mzuri zaidi akaonekana. La mort a quitté leur corps. Lufu lukatoka mumwili. Abraham a été rajeuni. Ibrahim akakuwa kijana. Ils ont donné naissance. Bakazana. À l'âge de 100 ans. Basha kuonesha mdaka. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a jeté la mort hors de leur corps. Parce que le signe de la mort, c'est la vieillesse. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère Banamadji, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Quand Jésus est entré dans la ville de Naïn, il venait de marcher à pied depuis Nazareth. Alikuwa anatembea la mkulu tokea Nazareti pala kaingia mule inchi ya Naim. Au paragraphe 133, je prends une partie là-bas. Nachukua sehemu. Il avait marché de Nazareth, ses pieds lui faisaient mal. Alitembea la mkulu tokea ku Nazareth na miguu ilikuwa na muuma. Il était couvert de poussière. Alikuwa na mavumbi ku mikulu. Fatigué. Mwenye kuchoka. Épuisé. Mwenye kuchoka zaidi. Parce qu'il était à la fois homme et Dieu. Alikuwa mtu kisha alikuwa Mungu. Et quand
Dans son corps, il a entendu se plaire là. Malgré sa fatigue, Jésus a regardé. Une petite veuve descendait la route en pleurant. Son fils unique, couché sur un brancard mort. Il arriva qu'ils passèrent là où se trouvait Jésus. Nanjo, il a fait qu'à quoi m'a oulé dada. En a pitié à parler. Lisez le message entre les lignes. Il arriva. Il arriva. Il arriva. Il arriva. Il arriva. Il arriva. Il passait. Là où se trouvait. Jésus. Le problème, c'est de passer là où se trouvait Jésus. Il pitié à parler Jésus à l'écoua. Et ma prière. Laisse-moi pendant mes jours. Laisse-moi dans ma vie penser là où se trouve Jésus. Frère Bernard de Glace, l'amour et la vie ne peuvent cohabiter. Vous savez, munajua, l'une d'elles doit s'en aller. Mumoja wa ile mbiri inapasha kwenda. Il a dit arrêtez le cercueil. Il s'approchait et touchait les jeunes hommes. Et la vie qui était dans ce jeune homme, qui était sorti depuis peut-être des jours, rêve. Je peux voir le cercueil commencer à bouger. Voir les gens regarder. Un homme qui était mort s'élever. S'avançant entre peut-être sa mère de ses bras. Voilà les œuvres de Dieu. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il certainement. Akikatu. Vous savez que quand je dis merveilleux, j'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose. Vous savez que Jésus est la personne la plus spéciale. C'est pourquoi il est dit, il est admirable. Écoutez mes amis. Il était prophète, n'est-ce pas? Dio. Mais quel est ce prophète qui n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur? Sasa ni nabi kani mwenye ule ayasemaka hivi Bwana anasema. Mais chaque prophète est identifié par l'ainsi dit le Seigneur. Kila nabi bana mulinganisha kwa hivi Bwana. Mais Jésus était prophète. Yesu alikuwa nabii. Il est merveilleux. Dans sa vie, dans son ministère, il n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Ayasemaka hivi Bwana anasema. Mais le merveilleux en parlant dit en vérité, je vous le dis. Mukweli, mukweli. Oh, voilà pourquoi j'ai dit qu'il est merveilleux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et je vous prouve qu'il est merveilleux. Vous savez dit qu'il n'a jamais assisté à un service funèbre. Jésus n'a jamais enterré l'un des membres de son église. Mais Branham a enterré. Tous les prophètes ont enterré. Moïse a enterré. Mais Jésus n'a jamais enterré. Pourquoi? Il est merveilleux. Il est la vie. Il n'a pas la vie. Mais il est la vie. Alléluia. Amen. Comment il pouvait dire? Quiconque croit en moi à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Et Branham déclare, dans un jour vingt, jour de victoire, frère Branham déclare, la mort ne pouvait pas tenir dans sa présence. Il a conquis la maladie. Il a conquis tout. Il a conquis la tombe. Il a conquis la mort. La mort ne pouvait se tenir dans sa présence. Et Branham déclare, il n'a même jamais prêché à un service funèbre. Non. J'ai dit non. Il n'a jamais fait un service funéraire. Moi, je l'ai déjà fait. Branham a déjà fait. Les prophètes ont déjà fait. Amen. Mais pas Jésus. Et j'ai dit à mon auditoire, Jésus est merveilleux. Jésus est comme Zuri Zaidi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais je peux terminer dans quelques minutes. Un jour, il y avait un chef de synagogue. Un grand homme en Israël. Nommé Jairus. Il avait une fille unique. Oh, j'aime ça. Amen. Ça m'inspire beaucoup. Amen. Et
La fille de Jairus est tombée malade. Mais Jairus est un croyant secret. Il avait la considération de Jésus, mais dans le secret. Oui, mes amis, j'en ai vu aussi des choses comme ça. Amen. Il y a des croyants secrets, ils sont là. Amen. Et je l'aime beaucoup, je les apprécie. Amen. Oui, mes amis. Maintenant, quand la fille de Jairus est tombée malade, Branham déclare, Jairus l'amena. Jairus l'amena. Au médecin traitant. Il dit, mais médecin, ça fait des jours, ma fille a des fièvres qui ne s'arrêtent pas. Il a des migraines, ainsi de suite. Si, bon, le médecin dit, c'est un petit problème, dans quelques jours, il sera debout. Et je vois, un jour, deux jours, on donne les médicaments. Plus on l'a traité, plus la situation s'empire. Et finalement, le médecin se dit que ça complique. Il n'arrive pas à maîtriser les symptômes. Il n'arrive même pas à déceler ce que c'est le problème. Mais comme c'est un médecin sincère, il appela Jairus de côté. Dans son cabinet, il dit, viens d'abord. Et Jairus dit, viens. Il dit pour être sincère. Pour être sincère. Ta fille n'a que quelques minutes. Et quand il a dit ça, Branham déclare que le cœur de Jairus commence à battre. Mais Jairus s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais j'avais assister à ces campagnes de guérison. J'ai toujours eu l'espérance et la foi dans cet homme de Jésus. Mais ma société ne me permet même pas de le faire. Les gens vont me taxer de n'importe quoi. Il dit, je vais parler à mon épouse. Il dit, chérie, le médecin a dit que notre fille peut s'en aller dans quelques minutes. Comme ça, je vais voir cet homme de Jésus. Comme la médecine a échoué. Comme la science a échoué. Comme l'arbre de la mort a échoué. Je vais maintenant parler à l'arbre de la vie. Mais son épouse lui dit, mais chérie, vous savez, on va vous traiter de n'importe quel nom. Tu vas perdre votre carte de membre. Vraiment, tu seras mal vu. Mais il dit, mais même si je suis mal vu, mais comme je suis dans les besoins, je dois aller voir c'est Jésus. Et quand il arrive auprès de Jésus, lui insista, lui dit, ma fille est morte, viens lui imposer les mains. Et Jésus lui dit, attends un peu, nous allons partir. Mais à quelques minutes, pendant que Jésus traînait de faire quelque chose, et dans les gens, un groupe de gens venant de chez Jairus, il dit, n'importe pas le maître, ne dérange pas le maître, ta fille est déjà morte. Et pendant qu'il a reçu ça, Branham déclare que Jairus a eu un choc. Le choc de la mort. Le cœur commençait à battre rapidement. Vous savez, vous les parents, ce qui se passe dans nos maisons, quand l'enfant pique la crise, quand ça commence à déranger, notre cœur commence à battre rapidement. Et Branham déclare que c'était le choc de la mort. Mais Jésus regardant Jairus, il lui dit, prends courage, ne t'inquiète pas, toi seulement. C'est pour vous dire que même dans le désespoir, faites confiance au merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Même si la situation s'empire, même si le blocage est constaté, même si l'échec est constaté, faites confiance au merveilleux. Et quand Jésus a dit, prends courage, Jairus a pris Jésus sur les mots. Il savait que les paroles sortaient de Jésus. J'aime ça. Amen. Et
Chemin faisant, na mukutembea, ils sont partis Joba kaenda, dans la maison de Jairus. Ya maintenant, Jairus. J'ai quelques petites notes à dire dans cette histoire de Jairus que j'ai lu qui a enflammé mon cœur. Dans ce message, Jairus prêchait le 3 août 54 et j'attire votre attention. Branham déclare au parcaf 9 jusqu'à 15, nous descendons, mais je vais lire en son temps. Alors, un jour, sa fille tomba malade. Et vous savez, Dieu a un moyen pour nous amener à croire. Dieu peut voir que nous dormons, nous sommes à l'aise, nous ne prions pas, mais il a un moyen de réveiller notre. Parfois, même si vous ne voulez pas, oui, il travaille dans des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles. Écoutez ce que dit Frère Branham. Et quand le médecin a commencé à lui prescrire des médicaments, des remèdes, mais il allait tout simplement depuis tout le temps. À mal. Et au bout d'un moment, la grande heure des minutes sonna. Le médecin appelait Jairus et aurait dit: Jairus, révérend monsieur, je suis désolé de vous informer que votre enfant n'a quelques instants à vivre. Il se meurt. Je peux m'imaginer l'émotion de ce pauvre petit homme. Et quand il a trouvé cette nouvelle là, que ta fille n'a que quelques instants à vivre, je peux voir quelques émotions sur ce jeune homme. Ce pauvre homme, que pensez-vous qui a jailli dans sa pensée en premier? Jésus. Quand la situation s'empire, quand il y a le désespoir, la première pensée qui m'arrive, Jésus. Je vais dire Jésus. Jésus. Oui, c'est bien de penser à votre diacre. C'est bien de penser à votre pasteur. Mais dans les derniers degrés, nous pensons à Jésus. Alléluia. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Alléluia. Il exauce notre prière. Pourquoi nous portons la peine? En vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Jésus. Life Tabernacle, quand la situation s'empire, quand il y a les déceptions, quand vous êtes chassé du travail, la première des choses, la dernière question, je pense à Jésus. Branham déclare, vous savez, par Paragraphe 11, vous n'avez simplement pas suffisamment besoin de lui, mais un jour vous aurez besoin de lui. Amen. Je sais que quand les choses marchent bien, quand vous mangez bien, quand vous travaillez bien, quand vous avez la bonne mine, mais vous n'avez pas le temps de Jésus. Et vous n'avez pas besoin de lui. Mais Frère Branham déclare, il y aura un temps où vous aurez besoin de lui. J'ai donné un message à quelqu'un. Aujourd'hui, pour venir à l'église, vous le faites de votre manière. Pour prier, vous le faites de votre manière. Pour honorer les messages, vous le faites de votre manière. Mais je vous dis, un jour, vous aurez besoin de lui. J'espère que vous le trouverez avant de mourir. Mais si ce n'est pas le cas, quand vous serez sur votre lit de mort, vous saurez assurément que cette religion à l'ancien monde est la chose qui vous conduit pendant les heures sombres. Quel est ce Jésus dont je parle? C'est la religion à l'ancien monde qui va vous conduire dans les airs sombres. C'est glorieux baptême du Saint-Esprit de l'âme. Cette rencontre avec le Fils unique de Dieu. Quand vous serez là
alors que le médecin secouera la tête et dira, toutes les choses ont échoué. Parlez, ou ta quoi mukitanda la munganga tasema a bien déketena. Et le médecin secouera la tête en disant, ça n'est fini. Na munganga atatikiza kichwa tasema kwa. À ce moment-là, vous allez vous souvenir de quelques prédications apportées par frère Jim. Na utakumbuka mahubiri. À ce moment-là, vous allez vous en souvenir de quelques paroles écoutées sur les bandes de Branham. Wile wakati utakumbuka ile misemo chache ya nabii. Vous pouvez penser maintenant que c'est du fanatisme. Unawezi kuwazia kwamba ni utupu. Et que les gens sont un peu fous. Ya kwamba batu bemo sana. Mais attendez jusqu'à ce que l'ange de la mort frappe à la porte. Frère Bram frappe sur la chair. Je vous assure, toute cette timidité, ces hésitations, cette froideur seront ôtées de vous à ce moment-là. Alors vous allez voir ce que cela porte. Vous allez vouloir que cela parte de toute façon. Et si vous êtes timide, et si vous êtes hésitant, et si vous êtes des doutes, vous avez des doutes, mais la froideur, mais ce jour-là, oui, cette hésitation-là, je vais aller à l'hôtel, j'hésite, je sens pour pleurer, pour chercher le Saint-Esprit, j'hésite, mais ces hésitations-là, quand qui vous quitte un jour, il est sûr béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et regardez quelque chose. Remarquez, je peux voir ce petit homme alors que son cœur commençait à battre rapidement. Oui, à battre grand coup. Il est sa roya qui kanza kupika mbio mbio. Docteur, pensez pas, mon enfant va mourir. Non, tous les mermaids ont échoué. La fille est maintenant là. Son cœur bat très lentement. Elle se meurt maintenant. Branham déclare. Et je peux le voir entrer, appeler sa femme. Il dit, chérie, j'aimerais te dire quelque chose. Tu connais toutes ces campagnes de guérison qui se sont tenues par ici. Nous savons que notre église ne s'y oppose. Mais tu sais, j'ai un peu l'impression que si nous pouvons trouver c'est Jésus de Nazareth. Peut-être il pourrait l'aider. Peut-être si je peux trouver ce Jésus de Nazareth, il peut nous aider, mes amis. Ce matin, dans ta difficulté, dans ton problème, dans ta situation, dans le temps présent, si tu peux trouver Jésus de Nazareth, il peut vous aider. Jeune homme, il va vous aider. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Au paragraphe 16, frère Madame déclare. Et quand les médecins a dit que la fille s'en va, ça n'est terminé de l'enfant. Écoutez ce que dit frère Branham. Mais cela n'était pas terminé dans le cœur de Jairus. Il est à Jairus. On a dit que ça n'est fini. C'est un échec complet. Mais dans le cœur de Jairus, ça n'était pas fini. Il avait vu Jésus en action. Et tout homme qui a jamais vu Jésus-Christ en action ne peut plus être le même. Amen. C'est vrai, il doit savoir quelque chose est en train d'agir. Il y a quelque chose de différent. Et cela n'était pas terminé pour Jairus. Il y a l'espoir derrière la déception. Et cet espoir, c'est Jésus de Nazareth. Je me répétais, Jésus de Nazareth. Maintenant, frère Branham dit, au paragraphe 51, il dit à sa femme, peu importe ce que les gens veulent dire, mais le dernier espoir, la seule chose qui me reste, c'est amener Jésus chez moi. Il est qui n'est pas kiria. Je vais dire quelque chose. Amen. Après les cantiques chantés, après les sermons prêchés, après tout ça, mais la dernière chose, amener Jésus chez moi. Je peux entendre parler de lui, je peux entendre le pasteur prêcher,
Mais les derniers espoirs pour les croyants, c'est amener Jésus chez toi. Amen. Jeune homme, ne laisse pas Jésus ici. Ne laisse pas Jésus à l'église. Amenez Jésus chez vous. Et vous allez voir, mes amis, les choses vont changer quand vous allez amener Jésus chez vous. Je ne sais pas si mon auditoire comprend. Amen. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. J'ai dit que ne laissez pas Jésus à l'hôtel. Ne laissez pas Jésus à l'église. Amenez Jésus dans votre famille. Amenez Jésus dans votre maison. Amenez Jésus avec vous. Amen. Prends le nom de Jésus avec Amen. Toi. Enfant de tristesse et de larmes. Alléluia. Amen. Dans les tentations nous environnent, invoque le nom dans la prière. Amen. Amène Jésus dans ta maison. Amen. Oh Dieu, Branham dit, Jairus a dit, viens poser les mains à ma fille, elle se rétablira. Jésus a dit, j'irai. Et les voilà se mettre en route. Je peux voir le cœur de ce pauvre petit Jairus manquer de battre. Amen. De temps en temps, pendant qu'il marchait, il se disait, oh, peu importe ce que dit l'église, je l'amène avec moi maintenant. Parce que prends le nom de Jésus Amen. Avec toi. Amen. Je vais amener Jésus avec moi. Il vient chez moi. Je sais que si jamais il arrivait chez moi, peu importe ce que les autres disent. Amen. Je demande à toi, ce couple-là, est-ce que Jésus est chez vous? Amen. Je demande à papa, maman. Est-ce que vous avez amené Jésus dans la famille? Et ma prière est que chacun amène Jésus. Dans votre lieu de travail, amène Jésus. Dans votre bureau, amène Jésus. Dans la société, amène Jésus. Jeune écolier, amène Jésus. Étudiant, amène Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je vais parler? Amène Jésus partout. C'est ce que je ressens aussi à ce sujet, dit Branham. Paragraphe 54. Quand j'étais un prédicateur baptiste, on m'a dit que si je partais perdre mon temps avec ces saints exaltés, je deviendrais l'un d'eux. Amen. Quand il voulait aller se joindre aux pentecôtistes. Écoutez ce que dit mon messager. Jésus est venu chez moi un jour. Il dit, alléluia. Amen. Jésus Yesu est venu chez moi un jour. Kwangu, siku moja. Paragraphe 54. Jésus est venu chez moi un jour. Siku moja Yesu jeune homme, tu dois avoir ce jour-là. Unapasha kuwa na ile siku. Jeune femme, dada, il doit y aller ce jour-là. Unapasha kuwa na ile siku. Que tu peux t'en souvenir. Jésus est venu chez moi un jour. Kwangu, siku moja. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'ils ont dit après ça, oui. Après que Jésus était venu chez moi, c'était réglé. Pour autant que je le sache, j'étais content qu'il soit venu là. Ça ne changerait rien. Ce que les autres disaient, ce que disent ce soir n'importe peu aussi longtemps que je sais qu'il est venu chez moi. Amen. Amen. Branham déclare, depuis que Jésus est venu chez moi, tout va bien. Mambo yote iko nendeka. Je dis que tout va bien. Biote biko sawa. J'ai la paix. Biko na amani. J'ai la quiétude. Biko na stare. À l'intérieur maintenant. Biko na ukimia ndani ya nafsi. Tout va bien. Biote biko sawa. J'ai la paix. Biko na amani. J'ai la quiétude. Biko na amani. La tranquillité de l'esprit. Upole ndani ya roho yangu. En d'autres termes, je ne suis pas
agité. Quand les montagnes sont secouées, quand les choses ne marchent pas, j'ai la paix, j'ai la quiétude, je suis stable. Pourquoi? Un jour, Jésus est venu chez moi. C'est pourquoi il est merveilleux. Même quand je serai malade à l'hôpital et que les poules de mon corps commencent à s'atténuer, j'aurai la paix. Tout est réclamé. J'aurai la joie. Pourquoi? Il est venu chez moi. Et quand Jésus arrive chez Jairus, ce faiseur de miracles, c'est Jésus de Nazareth, cet agneau d'Abel, qui parlait dans les langues inconnues, je peux l'entendre crier, Tabitha Kumi. Alléluia. Amen. Il parla en langue. Akasema muluga. Il est le maître des langues. Il est plein de dons, celui qui est la véritable maison des dons. Je ne peux pas croire en Jésus sans avoir les dons. Car quand j'entre dans son royaume, quand j'entre dans le corps de Jésus, c'est un corps des dons. Et Jésus chez Jairus a parlé en langue. Et il dit, jeune fille, lève-toi. Lève-toi, jeune fille. Et la jeune fille qui était morte s'est tenue debout quand le merveilleux est entré chez Jairus. Il est merveilleux. Le temps me manque de parler de Lazare après que son esprit et son âme étaient en voyage de 4 jours. Mais le merveilleux Jésus, le merveilleux Jésus, compatissant Jésus, quand il a vu les gens pleurer à la tombe, en tant comme il a aussi pleuré, pour dire qu'il est compatissant, mais après avoir pleuré comme un homme, il s'écria, Lazare, sort. Et le corps qui était pourri, la corruption a reconnu son maître. Et la vie est rentrée dans le corps. Et Lazare s'est tenu debout. Après 4 jours de voyage de l'âme. Qui a fait ça? Jésus le merveilleux. Jésus le merveilleux. Jésus le merveilleux. Amen. Maintenant, mes amis, il n'est pas question tout simplement de parler de lui dans les côtés historiques. Par exemple, déclare que l'esprit qui était parti ailleurs depuis 4 jours revient dans son corps. Amen. Il est roi. Et Lazare se leva. Vous parlez d'être merveilleux. Amen. Conseiller. Président de la paix. Dieu tout puissant. Le voilà. Le merveilleux. Le merveilleux. Maintenant, je termine en disant de dire ce matin, il est merveilleux d'entrer dans la lumière de sa présence. Il est merveilleux d'entrer dans la lumière de sa présence. La lumière de sa présence, c'est la zone d'impossibilité. C'est là où l'impossible devient possible. C'est là où les doutes s'en aillent de notre cœur. C'est là où il y a l'assurance venue dans le cœur du croyant. Dans la lumière de sa présence, c'est là où que vous amenez Jésus chez vous. Je vais dire quelque chose. Amen. Vous pouvez l'entendre être prêché. C'est bien. Mais il est question maintenant d'entrer dans la lumière de sa présence
pour amener ce Jésus chez vous. Amen. Inabidi kuingia mwele nuru ya wepo wake njuu ya umubebe na umupeleke kwako. Freba namji. Ndugu mwanama anasema, oh, comment se fait-il aujourd'hui mon pauvre ami fatigué? Namuna kani nawezekana tena leo rafiki mwenye kuchoka. Lorsque l'homme qui n'a jamais connu sa puissance. Kama kuko mtu mwenye hayatambua ile uwezo yake pour donner une nouvelle lumière, une nouvelle espérance. Lorsqu'il est entré dans la présence de la personne divine de Christ, avec une foi qui le charme de sa majesté. Je vais dire quelque chose, mon interprète, interprète-moi fidèlement, parce que je termine mon message en disant ceci. La grande lumière brillante. Paragraphe 57. Wow! Oh! Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Namunakani Leo, mon pauvre ami fatigué, ule rafiki yangu mwenye kuchoka, lorsque l'homme qui n'a jamais connu sa puissance, wakati ule mtu mwenye hayatambua kamwe uwezo yake, pour donner une nouvelle lumière, tu as kuleta ile nuru mupya, et une nouvelle espérance, na ile tumaini mupya, lorsqu'il entre dans la présence de la personne divine de Christ, wakati anaingia muwepo ya ule mtu wa kimungu Kristo, avec une foi qui le charme devant sa majesté, mwenye kwa na ile imani yenye kwa na mubembelesha mbele. Vous savez que ce langage est approprié pour le message. Amen. Hii ujumbe, hii misemo ni ya ujumbe tu. Cela n'est pas comme le fait d'aller à l'hôtel et de donner au prédicateur votre main d'association. Ile haiko mambo ya kwenda kule kwa madhabahu na kupatia mhubiri ile mkono ya muungano. Le fait d'entrer dans la présence de la personne divine de Christ, j'aime ça. Amen. Il est namna ya kuingia muwepo ya ule mtu wa kimungu. C'est différent d'aller à l'hôtel, à l'église. Inachana na kwenda mkanisa. C'est différent de donner la main d'association au prédicateur. Inachana na kulamukia mhubiri. C'est différent de le fait d'être baptisé dans les baptistères. Inachana na kubatizwa kule ku baptistère. Ni le fait de se tenir avec une coquille pour se faire asperger. Au tu kushimama pale njoo kwa baba kumimie na ile maji. Il s'agit. Lakini hapa ni mambo. Il s'agit. Hapa ni mambo. D'entrer dans une lumière que vous n'avez jamais vu auparavant. Ni kuingia ile nuru ile au ya onaka kamwe. J'aime ça mes amis. Amen. Parama déclare. Anasema, c'est l'angle d'une foi divine. Asema ni nanga ya ile imani ya kimungu. Qui l'ongu lwa jita bouche d'en zambi. Hein? Une angle. C'est l'angle d'une foi divine. Ni nanga ya imani ya kimungu. Qui appelle toute chose contraire à la parole de Dieu, comme n'existant pas. Cela donne une nouvelle vie. Cela donne l'espérance à celui qui sont mourants. Ile inakuwa naleta tumaini kwa bale banakuwa karibu na kufwa. Kwa Frère Branham. Ini ile ndugu Branham. Pour entrer dans une lumière que vous n'avez jamais vue. Je kuingia mwile nuru mwenye awia onaka. Entrer dans la présence de sa majesté divine. Kuingia mwile uwepo ya bumungu mwake. Branham déclare. Adia nasema. Oui mes amis. Dio rafiki. Cela donne du courage aux faibles. Ile inakuwa naleta nguvu kwa bazaifu. Ça donne la guérison aux malades. Inakuwa naleta uponyaji kwa bale banagonjwa. Ça donne la bénédiction à ceux qui sont pauvres. Inakuwa naleta baraka kwa bale benye kwa ba maskini. Quand vous entrez dans la lumière de sa présence. Wakati unaingia mwile nuru ya wepo wake. Bwana anadeclare. Bwana anasema. Combien il est merveilleux. Namuna kariko mzuri zaidi. D'entrer dans la lumière de sa présence. Kuingia mwile nuru ya wepo wake. Bwana anadeclare. Bwana anasema. Pas un mythe. Aina mawazo au mafikiri. Je n'ai pas émita. Mungu ashina arishi. Je n'ai pas une pensée. Mungu ashina mawazo. Je n'ai pas une théologie. Mungu ashina mafundisho. Laisse-moi aller prier le ce matin. Je n'ai pas un bon sermon. Asema Mungu aina mahubiri ya mzuri.
Ce n'est pas de bonnes citations que nous allons lire. La bonne prédication, c'est bon. Les citations, c'est bien. Peu importe combien nous avons aménagé notre prédication. Mais Dieu n'est pas un mythe. Zambi. Mungu presence. Ni wepo. Yehowa mbuikaji. Mungu ni wepo fulani. Zambi mbuikaji. Mungu ni ile wepo wake. Vous entrez dans quelque chose de réel. Unaingia mukitu kila unawezi kupapasa. Comme quand vous entrez dans le baptistère, vous sentez que vous êtes dans l'eau. Waka sawa vile unaingia unashika sema hapa niko mumai. Comme quand vous entrez dans votre chambre, vous savez que vous êtes dans votre chambre. Iko paka vile kama unaingia mchumba yako unajua sema hapa niko mumai. Quelqu'un qui est dans le corps de Jésus, il est conscient qu'il est dans le corps de Jésus, comme il est conscient qu'il est dans sa chambre à coucher. Amen. Il n'y a pas d'hésitation. Akuna kutia shaka. Il n'y a pas de pensée mythique. Auna na mawazo ya kujiwazia. C'est quelque chose de réel. Ni kitu kia kia kweli. Devant lequel Moïse s'est tenu. Bele ya ile Mwosa lishimama. Et cela l'a enflammé. Na ile lichamusha moyo wake. Cela lui a donné une nouvelle vision. Ikamupa onyo mupya. Cela lui a donné un nouveau langage. Ile ikamupa musemeo mupya. Cela l'a oué. Ile ikamupakala. Cela l'a placé. Ile ikamu cela l'a élevé. C'est quelque chose de réel. Et ce réunion que nous voulons avoir, nous voulons nous débarrasser d'un djembita. Tunapenda kuachana na ule mungu wa mawazo. Frère Banamji, il n'est pas un djemite, ni quelque chose que quelqu'un a conçu dans sa pensée de façon charnelle. Mais il s'agit d'entrer directement dans la présence du roi de gloire, la lumière éternelle du Dieu vivant. Lorsque quelque chose arrive, quelque chose qui engrasse cette espérance en vous, de telle manière que peu importe à quel point vous devez être malade par la suite, ça ne servira à rien au diable d'essayer de vous tenter par quelque chose contraire. Cela est engrais pour toujours. Peu importe à quel point l'ennemi cherche à vous faire mener une vie maladroite, vous êtes engrais pour toujours, car vous êtes entré dans sa présence, dans une lumière divine qui a changé votre être intérieur. Et cela a placé une cloche de joie du salut qui carillonne dans votre cœur. Dans le monde ne sait rien. Et qui déclare que vous êtes passé de la mort à la vie. La mort et ses ombres vous ont quitté. Et vous êtes devenu une nouvelle créature lorsque vous êtes entré dans cette lumière divine. C'est là qu'il est merveilleux. Parce qu'il est merveilleux d'entrer dans la lumière de sa présence. Jésus est merveilleux. Nous allons le voir au cours de ce jour. Il est étonnant. Il va faire des choses qui peuvent nous surprendre. Bile bilawezi kutushutusha. Je le crois dans mon cœur. Amen. Même s'il n'y avait pas une écriture, je le crois dans mon cœur. Amen. Que Jésus na Yesu est plein de surprises. Eko mwenye kuyala na kushutushwa. Je peux le dire. Mina wezi kusema. Ne vous inquiétez pas. Oui, apana kuangaika. Ne regardez pas quel nombre de gens et quel nombre de personnes vous êtes pour la construction de l'église. Jésus est merveilleux. Amen. Ni
Israël. Israël est. Ça vient de tomber. Devant, dans le désert. Mbele ya jangwa. Un peuple mourant faute d'eau. Un peuple dans le désespoir. Je pense que Moïse ou Josué, Moïse envoyait des personnes pour chercher quelques marais qui étaient dans les parages. Et des petits ruisseaux qui pouvaient se retrouver là pour trouver de l'eau. On a trouvé que tous les ruisseaux étaient secs. Il n'y avait pas d'espoir. Mais le merveilleux Jéhovah, au lieu de dire à Moïse, va dans tel ruisseau ou dans cette marée-là, creuse un peu là, l'eau va sortir. Mais le merveilleux, il dit, parle au rocher. Et Moïse parla au rocher. Et les gens sont sortis du rocher. Un endroit le plus sec du désert. Pourquoi? Il est le Dieu des prodiges. Il est admirable. Il est le conseiller. Alléluia. Amen. Il est le prince de la paix. Ne vous agitez pas. Jésus est merveilleux. Amen. Il peut vous surprendre avec des choses merveilleuses. Et maintenant, pendant que je vous parle, prenez votre requête et votre besoin. Nous allons parler au rocher. Et croyant qu'il est merveilleux. Et vous allez chanter pour moi, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, alléluia, prince de la paix, il me sauve, il me garde, alléluia, il est merveilleux. Je parle ce matin, prenez votre requête et parlez à ces rochers merveilleux. Mon cœur chante aujourd'hui des joies de la grâce. Amen. Je le crois. Oui, mon cœur chante aujourd'hui les joies d'allégresse. Jésus sauve, satisfait, banni ma tristesse. J'ai la paix à moi. Jésus est merveilleux, puissant, mon sauveur. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, j'ai puissant, prince de la paix. Il me sauve. Il me garde, il me chère merveilleux, et mon rédempteur, ma vie. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, du péché vénant. Merveilleux est mon rédempteur, gloire à lui. Hier esclave, maintenant, libre de toute condamnation. Jésus donne liberté, même les saints. J'ai passé, mais sans pardonner. Et mon nom est écrit dans le livre du ciel. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant,
source de la paix. Il me sauve, il me garde, tous les péchés de haut. Éveillé et mon étant de toi, ma vie. Avec moi, Seigneur Dieu, pendant la sainte union. Jour après jour, je vis dans la grosse communion. Sa grâce m'a changé dans ma grosse condition. Mais puis que mon âme est supplée, ça l'est gratuit. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, il pêche de paix. Merveilleux, il m'en est dans ta voix. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Moi, Jésus, il me sauve, il me garde, les péchés de honte. Merveilleux et mon étant de voir à lui. Voilà, Jésus aimait un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il n'est aimé, toi qu'il me ramène. Quel est ce merveilleux amour, Dieu est ma mère.
esprit serviteur. Mais pas à bord, tâche-t-il pour son béni. Ses bras sont là, je m'approche. Alléluia. Allez, dernier mot.
appelé cet homme de Jésus. Alléluia. Elle est cet homme de Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, chante. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu suprême, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, toi le glorieux Fils de Dieu qui naquit de la Vierge Marie, crucifié par Ponce Pilate. C'est toi, le résisté, qui a vaincu la tombe, la mort et le séjour des morts. C'est toi, le grand je suis, du buisson ardent. Ce matin, nous le croyons sans l'ombre des doutes, que tu n'es pas injeté,
Tu n'es pas un je serai, mais tu es le même je suis, le merveilleux Jésus. Ce que tu as été hier, tu l'as encore aujourd'hui. Tendre et glorieux Père, regarde du fond de nos cœurs. Regarde les attitudes que nous avons affichées envers ta parole. Regarde les attentes que nous avons dans nos cœurs ce matin. Alors que nous croyons que tu es le même merveilleux, que tu dis des choses merveilleuses, que tu accomplis des choses merveilleuses. Ton prophète nous a dit, après la prédication de la parole, Dieu donne des choses merveilleuses à ses enfants. Oh Père de grâce, Dieu de miséricorde, tu es le même je suis Père. Tu es le même rocher auquel Moïse a parlé. Tu es le même rocher auquel Samson s'est approché. Ce matin Père éternel, à cause de ta parole, à cause du don de Dieu, à cause de ton message que nous avons accepté, à cause de ton prophète que nous avons crié de tout notre cœur, ce matin Père, étant ta main puissante pour délivrer les âmes, étant ta main puissante pour sauver les gens, pour bénir les gens, pour apporter les secours à ton peuple Seigneur Jésus dans chacune de ses gloires, dans chaque domaine de leur vie. C'est pourquoi, Père éternel, je mets ma foi et ma confiance en toi, Seigneur Jésus. Tu n'es pas un gémite, mais tu es une lumière présente. Tu es cette lumière qui enflamme l'âme. Tu es Jésus qui sillonne dans cette salle. Tu es la gloire de la Shekinah. Père Tout-Puissant, délivre ceux qui sont captifs ce matin, Père. Libère chaque personne qui est dans n'importe quel genre de prison. Seigneur Jésus, entre en scène ce matin. Sauve nos pauvres âmes. Guéris-nous, Seigneur. Bénis-nous, Père éternel. Accorde-nous les bénédictions qui sont attachées à la prédication de la parole, apportée dans les guerres sincères, Seigneur Jésus. Alors que nous nous abandonnons à toi, tout a été créé par toi et pour toi. Quand tu es entré dans la maison de Jairus, tu n'as pas laissé cette maison dans la même condition, dans la même atmosphère. Tu as changé l'atmosphère des deuils. Tu as apporté l'atmosphère de la joie. Et je crois que partout où Jésus entre, Seigneur, les cloches de joie sont en train de sonner, Père de gloire. La gloire et la joie inondent les cœurs des croyants. Père Tout-Puissant, c'est ma prière la plus sincère, que nous ne puissions pas te laisser à l'église, te laisser à l'hôtel, que nous puissions partir avec toi comme Jairus, Seigneur, t'a amené jusque dans sa maison. Oh Dieu, c'est le désir de notre cœur. Y a-t-il un péché qui est venu dans ta présence ce matin? Peut-il rentrer, Jésus, tel qu'il a été après avoir écouté sa parole? Je ne pense pas, Seigneur. Quelque chose doit arriver. Y a-t-il une personne qui est venue avec la tristesse dans son cœur, comme la femme de Naïn, Seigneur? Oh Jésus, change cela, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et tellement, Père de miséricorde. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous te les confions ce matin. Que les chaînes de Satan tombent, Seigneur. Peu importe leur forme, peu importe leur nom, Seigneur Jésus. Ma prière, que chaque personne qui a été dans ta présence, divine Seigneur, oh Dieu, puisse sortir ce matin, étant changé, étant guéri, étant béni, étant sauvé, étant rempli, Seigneur, et transformé à l'image de ta parole, Père. C'est ma prière. Tu es le même hier. Alléluia. Inonde le cœur de ton peuple. Enflamme ce cœur, précieux Jésus. C'est la prière de mon cœur. Tu m'as dit que je dois aller partout te répandre, Seigneur Jésus. Laisse que tu sois répandu dans cette salle, Seigneur. Que l'atmosphère dans laquelle ces gens sont venus, Seigneur, change, transforme, Père de gloire. Là où il y avait les menaces de divorce, Seigneur, que la paix puisse regagner le foyer, que la joie puisse regagner le cœur. Là où il y avait le péché, que la justice de Dieu, la parole, soit plantée dans le cœur des gens.
car nous croyons que tu es une présence, Père. Nous nous soumettons à toi. Bénis-nous, Père, car tu es le même. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin pendant que nous chantons et nous murmurons cela. Afin que ce doux esprit inonde nos cœurs, inonde les veines de nos cœurs, inonde nos bouches, inonde nos esprits, inonde tout notre être. Chantons ensemble dans l'esprit de méditation et d'adoration, avec les pensées tournées vers le merveilleux. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Alors, il éclaire mon chemin. Est-ce que vous le croyez? Et j'ai doucement, doucement. À ma faiblesse, conduis-toi, sa sirène. Oh, chante-toi. Jésus, il éclaire mon chemin. Voilà, et je marche à ma faiblesse. Conduis pas, ça s'irait même. Oh, chantons Jésus-Christ. Majesté, ainsi son sang. Est-ce que cela a coulé dans votre cœur? Oh, j'ai trouvé son sacrifice. T'es par la voix. Oh, voilà son sang. Amen. Amen. Oh, voilà. Amen. Chantons dans votre cœur, quelque chose va se passer. J'ai trouvé son sacrifice. Voilà Jésus-Christ, descendu, et lui, ô divin, s'est partagé, ainsi je reçois. Il est la vie, à la place de la mort. La vie. Alléluia. Voilà à toi, Jésus. Est-ce que vous êtes attaché à lui? Attaché. Alléluia. À toi, Jésus. Attaché. Oh, reçois de toi la vie. Oh, je reçois de lui la vie. Il est le Fils unique qui donne la vie au Fils unique. Oh, Jésus a payé ma dette. Oh, accompli ma rachète. Ainsi est déjà ma place prête. Oh, alléluia. Oh Jésus, Jésus, il est merveilleux quand il vous a racheté. Il est merveilleux quand il vous a sauvé. Il est merveilleux quand il vous a rempli du Saint-Esprit. Il est merveilleux. Il est merveilleux.
précieux Père. Tu es éternellement béni. Je prie que cette douce colombe qui recoule dans les cœurs de ton peuple continue à recouler. Continue à parler doucement. Qu'il conduise ces agneaux et ces brebis qui sont dans cette salle, Seigneur. Qu'il les conduise à la vie éternelle. Qu'il les conduise à l'assurance. Qu'il les conduise à la perfection. Qu'il leur donne la foi de l'enlèvement. Qu'il leur donne la joie partout, Seigneur. Qu'il aille avec eux, battant les ailes d'amour dans leur cœur. Parlant de la grâce divine, parlant des choses étonnantes, révélant la parole au cœur. Seigneur Jésus, c'est ma prière. Accompagne tout un chacun de nous. Va avec tout un chacun de nous. Bénis tout un chacun de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le merveilleux nom de celui qui nous a sauvés, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.